Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Cette semaine je reviens vers vous pour vous présenter une nouvelle recette, une recette de saison, la compote de pommes. Cette recette est très simple à réaliser mais ô combien gourmande et assez peu sucrée. Pour réaliser cette recette, j'ai utilisé 1,6 kg de pommes épluchées, une cuillère à soupe de jus de citron, 40 g de sucre cassonade ou 50 g de sucre blanc, un peu de cannelle. J'ai également utilisé 300 ml d'eau. Bien évidemment, si vous avez plus ou moins de pommes, vous adaptez les proportions. Pour commencer la recette, épluchez toutes vos pommes. Pour cela, moi je me sers d'un économe, je trouve que c'est plus rapide. Donc selon la quantité de pommes que vous aurez, ça risque d'être plus ou moins long, donc n'hésitez pas à vous mettre une bonne musique, à vous faire aider par votre conjoint ou votre compagne ou vos enfants. Et puis je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la recette. Félicitations, vous avez enfin terminé la première étape la plus fastidieuse de la recette. Mais je suis désolée, on va attaquer la deuxième, qui est un peu plus rapide quand même. Il suffit de couper vos pommes en quartiers comme je le fais, de les épépiner et d'enlever les parties abîmées avant de les couper en morceaux et de les mettre dans votre casserole. Bon, bah je vous dis à tout à l'heure et puis bah, bon courage. Ne vous inquiétez pas, c'est la dernière partie fastidieuse de la recette. Une fois que vous avez terminé de couper vos pommes en morceaux et que vous les avez mises dans votre casserole, nous allons passer à la suite de la recette qui consiste à ajouter tous les éléments qui sont le jus de citron, la cannelle, le sucre et l'eau. Ensuite, bien mélanger avec une cuillère en bois avant de mettre en cuisson. Donc moi j'ai une plaque à induction, j'ai mis à feu moyen, c'est-à-dire à 6. La cuisson sera variable en fonction de la quantité de pommes et leur maturité. Moi il m'a fallu à peu près 1 heure et demie de cuisson. Si vous souhaitez faire des bocaux de compote, pensez à ne pas trop cuire votre compote puisque quand vous allez stériliser, ça va finir la cuisson. Si jamais vous ne souhaitez pas faire de bocaux, il suffira juste de cuire comme vous l'aimez. Alors pour les personnes qui souhaitent stériliser, je vais vous expliquer ma technique pour stériliser sans stérilisateur. Alors ce que je fais, c'est que je lave les bocaux, puis je les remplis d'eau et les mets dans une grosse marmite d'eau que je fais bouillir. Je n'oublie pas de mettre également mon joint. Donc je fais bouillir environ 10-15 minutes. Puis je vide mes bocaux, donc là il n'y en a qu'un seul, c'est un gros, vous pouvez avoir différents formats. Et je remplis directement de compote chaude. Il faut que la compote elle soit bien chaude, ça participe également à la stérilisation. Donc bien remplir jusqu'au bout. Dans les bocaux le parfait, il y a une marque, donc remplir jusqu'à la marque. Bien nettoyer le rebord pour pas que ça ne pourrisse dans le temps, puis mettre votre joint sur le bouchon, attention il peut être encore chaud, et puis bah, fermer tout simplement votre bocal. Enfin, pour finir la stérilisation, il vous suffira de remplir votre marmite d'eau. Donc, il faut remplir assez pour que votre bocal soit bien immergé. Il ne faut pas qu'il y ait une partie non immergée. Donc, par exemple, il ne faut pas le positionner comme je le fais à l'heure actuelle sur la vidéo. Faites bien attention de ne pas vous brûler pendant ces étapes-là. Une fois que vos bocaux sont immergés, refermez votre marmite avec un couvercle, puis laissez bouillir pendant quelques minutes. La durée de stérilisation dépendra de la taille de vos bocaux. Par exemple, là, moi, c'est un gros bocal, c'est un bocal de 1,5 litres. Si vous avez des plus petits bocaux, la stérilisation sera plus rapide. Donc, pour un gros bocal, moi, je laisse 20 minutes. Une fois que votre bocal est immergé, mettre un couvercle puis faire bouillir. Alors, la durée de stérilisation dépendra de votre bocal. Plus il sera gros, plus ça va être long. Par exemple, là c'est un gros bocal, donc c'est 1,5 litres, je laisse 20 minutes. Vous pouvez laisser 15 minutes pour un plus petit. Si vous n'avez pas trop cuit votre compote, normalement vous n'aurez pas de soucis. Une fois que les 15 minutes ou les 20 minutes sont passées, laissez refroidir dans la marmite. Quelques heures après, vous pouvez sortir vos bocaux et vous vérifiez la stérilisation. Pour cela, il vous suffit uniquement d'enlever les petits crochets et de vérifier qu'il y a une résistance. Vous ne forcez pas trop, vous vérifiez juste qu'il ne s'ouvre pas tout seul. Si c'est le cas, normalement la stérilisation a fonctionné. Dernière vérification, le jour où vous allez sortir vos bocaux du placard, il faut que le joint soit difficile à ouvrir. Quand vous tirez, vous devrez entendre un petit pchit. Voilà, si vous entendez le petit pchit, c'est que la stérilisation a bien fonctionné. Ça y est, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je vous souhaite une excellente semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez être sûr de ne pas la louper, n'hésitez pas à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche en dessous de la vidéo, comme ça vous serez sûr de ne pas louper la publication. Et puis si vous souhaitez voir encore plus de recettes, n'hésitez pas à cliquer sur le lien de mon blog qui est disponible dans la description. Vous verrez qu'il y a encore plein de nouvelles recettes. Et puis bah, je vous souhaite encore une fois une excellente semaine. Prenez soin de vous.